Chant intercession. Chant, il dit, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas du temps qui passe. Ne te venge pas. Quoi qu'on te fasse, ne te laisse pas. Cherche la face de Dieu. Amen. Amen. Il sera toujours avec toi. Ne pleure pas. Cesse tes larmes. Ne tremble pas. Garde le calme. Ne laisse pas chercher. Ne laisse pas chercher sa face. Il sera toujours avec toi. Relève-toi dans la persévérance et marche droit vers l'expérience, l'espérance. Amen. Ne te laisse pas chercher sa face. Il sera toujours avec toi. Amen. Il est plus grand de tous les grands. Il est plus haut de tous les hauts. Mon Dieu est tout puissant. Il est apaisant. Il sera toujours avec toi. Mon Dieu est le pardon et la compassion. Il sera toujours avec toi. Il est la solution, la consolation. Dieu sera toujours là pour toi. Amen. 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 Tous ceux qui sont blessés, qui sont méprisés, cette parole s'adresse à vous. Calmez-vous, cherchez la face de Dieu et Dieu vous bénira. Amen. Amen. Maintenant, levez-vous, je vais vous présenter le prophète Joël Frasson. Yes. L'homme de Dieu. Jésus est Seigneur, il est Dieu. Il est Dieu. Le Père spirituel, une église évangélique. Pentecôte internationale qui est en France ici. Nous vous présentons le prophète Joël Frasson. Applaudissez. Thank you.
J'avais Jésus, il faut aller tout droit. Il ne faut même plus aller de gauche à droite. Parce que celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne du royaume des cieux. Venez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Dis à ton voisin que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le groupe, la famille Caleb? Amen. Amen. Je tiens de vous. Il y a quatre différentes familles. Il y a la famille Israël, la famille Jésus. Aujourd'hui, c'est Caleb et la famille Abraham. Amen. Amen. Voilà, nous acclamons Dieu pour la famille Caleb aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Chargé de décorer. C'est pathétique quand même. On voit beaucoup de drapeaux de l'Union européenne, c'est ça? Les Européens, l'Union Européenne, c'est quel drapeau là-bas? C'est la France. Non, pas France, mais juste à côté, la Sud-Afrique. Et ça, où est le... C'est Togo? Oui. Cameroun. Ah, Cameroun. Ça, c'est Congo. Et ça, c'est... Libéria. Ah, Libéria. Et ça, c'est la Côte d'Ivoire. S'il n'y avait pas Côte d'Ivoire. Acclamer Caleb. Amen. C'est un trop fort communication. Pour moi, c'est trop fort. Je dis affaire de Jésus, il n'y a pas Libérien, il n'y a pas Togolais, il n'y a pas Ivoirien. Nous sommes tous un en Jésus. En Jésus, nous formons une seule famille unie pour la même cause. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va écouter. C'est qui est chargé, moi celui qui est chargé, de prendre la parole. Mais je veux poser la question à Caleb. Quelle est la révélation de ce rouge au cou? Je vais avoir cette révélation, moi je vais commencer parce que je ne comprends rien. Donnez-moi la révélation. Qu'est-ce qu'on appelle? L'écharpe, mais qu'est-ce qu'on appelle? Hein? Comment ça s'appelle? Le foulard. C'est parce qu'il fait froid, non, je pourquoi? Non. Qui prend la parole? L'autre dit que sans le Saint-Esprit, ça peut dire déjà. L'autre dit sans le Saint-Esprit. Le sang de Jésus est encore ici. Vous ne laissez pas le gars tranquille. Chante ça encore. Qu'est-ce qu'on retient? Pourquoi ce symbole, ces forts coups? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous voulez nous enseigner? Le rouge ici symbolise le feu dévorant du Saint-Esprit. Ah, la couleur, c'est ce que ça veut dire? Oui, le rouge normalement c'est la descente du Saint-Esprit qui est la Pentecôte. Et comme c'est l'église pentecôtiste internationale, donc nous avons choisi le rouge pour signifier ce symbole-là qui est la descente, voilà, la descente du Saint-Esprit. Voilà. Je peux vous aider? Parce que les couleurs sont uniques et ils ont une seule explication. Donne-moi. D'abord, il faut que je vous dise déjà, la couleur du Saint-Esprit, c'est blanc. Voilà, c'est le blanc, qui est pureté, ça symbole. Mais le rouge, c'est symbole de vie. Voilà, il faut que vous donniez la définition réelle des couleurs. Le rouge, c'est symbole de vie. Et le sang, c'est symbole de vie. Cette matière-là, on ne peut pas fabriquer ça. Aucun pharmacien, aucun chimie, qu'on appelle comment ça, qui fabrique, un chimiste ne peut fabriquer ça. Voilà, donc le rouge, c'est symbole de vie. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire par la vie que vous avez au cou? Ça n'a rien à voir le feu du Saint-Esprit, laissez le feu du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, c'est la couleur blanche. Voilà, symbole du Saint-Esprit, la colombe, vous voyez, voilà, c'est du blanc. Voilà, donc la couleur blanche, c'est ça. Mais le rouge, si vous revenez sur la couleur rouge, c'est symbole de vie. D'accord? On apprend toujours hein, dans le Seigneur. D'accord? Déjà, ça ne met pas déjà tout ça.
Parce que je m'attendais, tout à l'heure à la porte, j'ai commencé à dire, vous allez me donner la définition de ce que vous avez au cou. Parce que quand vous portez quelque chose, vous devez savoir ce que la définition de ce que vous portez. Voilà, on ne peut pas porter quelque chose comme ça, on ne connaît pas. Hein? On apprend. Vous pouvez quand même envoyer un petit texto au père, on est en train d'apprendre. Je suis ouvert, hein? Vous avez mon WhatsApp, je pourrais quand même vous aider, on voulait, bon, je comprends l'esprit surprise, que Dieu bénisse pour ça. Déjà c'est l'innovation, c'est quelque chose de nouveau, on attend le Seigneur pour vous. Voilà, on apprend toujours. Maintenant, Caleb, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire? Parce que ce nom, il est beaucoup, pas trop connu. Mais pour ceux qui sont habitués à lire la Bible, on parle plus de lui dans l'Ancien Testament. Qui est Caleb? Ils vont nous parler un peu de Caleb et ça va nous amener à comprendre l'homme en réalité, l'homme qu'on appelle Caleb. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la parole? Je tenais à dire merci au monsieur, mon fils spirituel. Bien. C'est un frère congolais. Voilà. C'est 2015, non? Il y a longtemps, il me suit ce frère. C'est une méga star congolaise. Que le ciel est. Voilà. Donc, je vous donne la révélation. Que les sorciers ont caché quelque part, mais ils vont l'annever là. Amen. Jésus dit, où m'avez-vous mis? Lazare, sort. Il était en sortie de là où il est. Encore, il a une révélation. Il a composé un chant pour la fondation. Je tenais à lui dire merci officiellement devant toute l'église. Il a composé un chant et que j'ai balancé aux enfants de la fondation. Et comme j'ai un studio, bientôt on va rentrer en studio. La même mélodie m'a fait ressortir la chose que Dieu te bénisse pour ça. Voilà, tu vois dans votre histoire. Il m'a envoyé un matin, il dit écoute-moi ce qu'il sait, ce que ça peut donner. Et comme dans le son du père, il y a aussi la musique, le son des musiciens et tout ça, donc j'ai écouté. Il était un peu perturbé, il dit mais j'attends le retour. J'ai dit c'est bon. Amen. On acclame le Seigneur. J'ai dit c'est tellement bon que je n'ai pas voulu faire le retour. Parce que j'ai dit peut-être que tu ne connais pas le père. Si ce n'était pas bon, immédiatement il allait réagir. C'était tellement bon. Donc c'est un auteur-compositeur. C'est quelqu'un qui connaît bien la musique. Ah oui, hein, il connaît, il a du talent. Mais oui, il est caché, il est humble. Et je pense qu'il y a aussi Jean-Roch qui m'a parlé de lui. Jean-Roch est juste derrière la caméra qui me dit, mais ce monsieur, je l'ai connu quand j'étais encore très jeune. Il cartonnait beaucoup, très petit, très jeune au compte. C'est Congo Brazzaville, c'est ça? Voilà, donc que Dieu te bénisse. Vous voyez, vous êtes avec quelqu'un de très important. Maintenant, ils ont la révélation de ta personne. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, que Dieu te bénisse. Merci pour ce beau chant composé pour les enfants de la Fondation. Voilà, très bientôt, ils rentreront en studio pour nous faire sortir quelque chose. Voilà. Ok. Vous avez quelque chose à nous dire? Par rapport à Caleb. On vous écoute. Caleb est défini par les lettres de l'alphabet. Donc les trois lettres, trois premières lettres, les A, 3A, la lettre ensuite B, et la lettre C, D et O. Donc les trois A signifient autorité, audacieux, et c'était quelqu'un d'ambitieux. C'était aussi quelqu'un de bouillonnant. Donc comme je disais, les trois A c'est audacieux, ambitieux, et autoritaire, parce qu'il avait vraiment de l'autorité. Le B, c'est bouillonnant. Et le C, c'est la confiance en soi. Et il avait aussi une confiance énorme, infinie, en Dieu, l'éternel. Donc, Caleb aussi peut être défini par la lettre, en plus de A, B, C, la lettre T, détermination. Vous n'avez même pas donné un truc public. Si. Et non, donc d'abord, qu'est-ce que représente Caleb dans la Bible? Et puis là, tu fais une conclusion après de ce nom, ça vient Caleb après. On ne sait même pas de qui tu parles. Et Caleb tu lui donnes des qualifications déjà. D'accord. J'arrive. Son histoire biblique. Oui, Caleb fait partie de l'un des 12 éclaireurs qui avait été choisi par Moïse pour aller explorer le peuple de Canaan. Donc, bien. Oui, d'accord. Bien, tu étais chaud, chaud, chaud. Et bien, avec autorité, j'ai dit, mais tiens. On parle avec assurance. Ah. On peut l'encourager un peu. Un
m'a épaté hier, on a eu une rencontre, elle m'a épaté. Dites bon, je n'ai plus de mots à dire, c'est fini, elle va assurer. Amen. D'accord. Et vous dites quelque chose rapidement, ne voyez pas ça comme, ah, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? On a essayé de mettre 4 familles sur place au sein de l'église pour le suivi des âmes au niveau de l'église et pour leur croissance spirituelle. Voilà, au travers des 4 familles, on va essayer, n'est-ce pas, d'apporter un plus, on va les amener, les plonger dans une lecture biblique et que chaque famille aura une semaine, n'est-ce pas? Et je pense que la semaine prochaine, ça sera la famille d'Abraham. On aura des grandes surprises dans la salle. Est-ce qu'on peut acclamer la famille Abraham? Et après que les 3 familles soient passées, les 4 familles, on aura une réunion bien sûr avec les familles pour parler de beaucoup de choses. Il y aura ce qu'on appelle l'opération d'expulsion de 3 d'araignées mystiques. Ça veut dire que chaque famille, si vous avez une semaine, là, le prophète sera chargé dans les familles pour rendre visite. Voilà, on va commencer à vous rendre visite. Pour aller attaquer, prier pour vous, consacrer vos maisons. Voilà. Voilà. Amen. On attend d'abord la prestation du groupe. On attend la prestation du groupe Abraham. Quand Abraham va passer, on aura une rencontre, on va essayer de parler. Et maintenant, il faut qu'on parte chez vous, n'est-ce pas? Et n'est-ce pas? Poser des actions prophétiques chez vous, prier pour vos maisons, consacrer vos maisons, pour apporter la vie à vos maisons. Amen. Alléluia. Donc, on écoute Caleb rapidement. Donc, Caleb fait partie des 12 éclaireurs qui avaient été envoyés par Moïse pour conquérir, pour visiter le pays de Canaan. Donc, c'est l'un des seuls qui a fait l'éloge de Canaan en revenant. Donc, il était aussi choisi avec Josué. Caleb est cité dans la Bible, dans le livre de Deutéronome, dans le livre de Nombre et dans le livre aussi de Josué. Ma fille, quand tu dis qu'il était les 12 parmi les 12 éclaireurs, nous donne la référence biblique immédiatement parce que c'est ça qui identifie, c'est ça que tu présentes d'abord. Donc en parlant des 12, parmi les 12 éclaireurs, nous donne la référence. Je vous dis, quand vous parlez de quelque chose, donnons-nous immédiatement la référence biblique et ça nous rassure que vous connaissez votre chose. C'est comme ça. D'accord? Faut pas dire Caleb a été cité. Non. Pendant que tu parles de l'histoire de Caleb, donc pendant les 12, tu fais ressortir les versets qui nous disent, effectivement, parce que pendant qu'ils t'entendent parler, d'autres seront obligés d'aller consulter la parole de Dieu. Et pour eux, ça sera une découverte. Pour d'autres personnes qui ne savent pas, vont voir une découverte. Donc, vous pouvez aller dans le livre de Nombre. De Nombre. Chapitre 13, verset 30. Donc, vous allez voir. N'oubliez pas que vous êtes noté, hein. Voilà, vous êtes noté, tout ça, on vous donnera les points après. Donc, on disait que Caleb était un homme qui n'avait peur de rien. Vous donnez Caleb parmi les 12, c'est quelle est la référence d'abord? Nous avons parcouru. Là où il a parcouru le pays, c'est le nombre 14, chapitre 14. Chapitre 14, c'est ça? Vous devez vous attendre à ça, les questions? C'est comme ça l'exploration s'est faite au nom 13 chapitre 23 où il a ramené les meilleurs fruits qui étaient la figue, la grappe, le raisin et la grenade. Donc il faut aller dans nom chapitre 13 verset 23. D'accord, donc montez vos propres cultures spirituelles. Nom 4 nom 13 verset 23. L'exploration de la ville de Canaan. Super. Et où il a ramené les meilleurs fruits. Qui sont les figues, les grappes, le raisin et les grenades. Ensuite, le caractère autoritaire de Caleb, le caractère autoritaire de Caleb s'affirme à travers Nombre 13, chapitre 30, où Caleb dit « Allons-y, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Donc vous pouvez prendre Nombre 13, chapitre 30, et vous allez voir que c'était un homme qui était déterminé et qui n'avait peur de rien. Je peux poser des questions à part elle, vous autres? Vous êtes sûr qu'on peut poser une question? Je peux tomber sur celui que je veux? Ça va? Ça peut aller? Mais répondez-moi avec assurance, mon Dieu. Répondez-moi. C'est Caleb. Elle vient de dire quelque chose. Je vais m'appuyer sur ce qu'elle vient de dire pour vous poser des questions. Est-ce qu'on est prêt? En plus, vous êtes en rouge qui symbolise la vie. Pas la peur. Viens. Je suis ici.
Je vous pose une question? Non, je vais puiser dans ce qu'elle vient de dire. Je ne vais pas aller ailleurs chercher pour vous emmerder. C'est possible? Je peux interroger parmi vous quelqu'un. Et si vous ratez cette question, vous perdez beaucoup de points. Ça va être chaud, hein? Non, en fonction de ce qu'elle vient de dire, ça serait une question très simple. Pas elle, hein, cette fois-ci. Non, laisse ta vie, monsieur. Je suppose que tu es dans ta scène, dans ta vie. C'est pour vous une manière de lire. Est-ce que ce sont ceux qui ont lu la Bible ce matin? Quels sont ceux qui sont allés dans la parole de Dieu? Quels sont ceux qui ont lu la Bible? Amen. Ça, c'est très important. S'il y avait la Bible pleine de poussière, dépoussiérée, ça ne doit pas rester dans le placard. Amen. Amen. On a vu la dernière fois qu'on a retenu un enseignement de la part de Jésus. Que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Très bien. Et qu'est-ce qu'il dit encore? Médite-le jour et nuit. Sans cela que tu auras du succès dans tes entreprises. Le succès dépend de la méditation et la mise en pratique de la parole de Dieu. Ce n'est pas une question de je suis venu voir le prophète Rafi. Non. Si tu mets la parole de Dieu en pratique, Dieu sera dans l'obligation de te bénir. Est-ce qu'on m'a bien saisi? C'est tout. D'abord, il faut la méditer et la mettre en pratique. Voilà, c'est ça le problème des gens aujourd'hui. Ils ne lisent pas la parole de Dieu, il faut la lire. Et la méditer jour et nuit, et la mettre en pratique. Amen. Je pense qu'on a bien retenu la dernière fois avec ce passage. Très bien. Et elle a dit quelque chose de très important. Quel est le passage où on voit l'apparition de Caleb? Donnez-moi le chapitre et le verset. Elle l'a dit tout à l'heure. Elle l'a dit tout à l'heure. Le monsieur transpire. Qu'est-ce qui se passe? L'apparition. Non. Qui est plus interrogé? Parlez-vous. Comment Suzanne? Non. Ah non. Non, mais. Qui je peux interroger? On suit ici. Non. J'ai dit, elle nous a donné une référence. Le point tout à l'heure, l'apparition de Caleb. Elle a donné une référence où Caleb est revenu avec le chose, n'est-ce pas? Elle a donné le chapitre et le verset. Qui peut nous donner parmi la famille Caleb le chapitre et le verset? Non? Et l'apparition qu'on parle la première fois de Caleb? Oui. Très bien, la gloire du Seigneur. C'est bien, elle a trouvé. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Non, vous êtes dans une famille, vous devez maîtriser le sujet. Parce qu'on va revenir là-dessus. Ça sera le sujet de débats bibliques un jour. Voilà. Vous rencontrez la famille Israël. Soyez à mesure, ils nous ont détaillé de certaines choses. Jésus est venu nous parler de certaines choses. Demain, la semaine prochaine, nous devons faire Abraham. Vous allez faire à Caleb. Et quelqu'un même de qui on ne parle pas trop dans la Bible. Et donc, son histoire nous intéresse. Parce que dans la sainte génération, on a vu Jésus et Caleb. Ce sont les possédés Canaan. Donc, ce monsieur, son histoire nous intéresse. Pourquoi on parle de lui si peu? Mais qu'est-ce qu'il avait comme qualité? Et tout ça, ça nous intéresse. Voilà, donc l'apparition, elle a vraiment dit, elle vient de sauver l'honneur. C'est pour vous dire, il ne suffit pas seulement de lire la parole de Dieu, il faut la retenir. On dit amen. Amen. Voilà, il faut retenir cette parole. On fait l'apparition, on voit Caleb dans Nombre, chapitre, verset, à partir du verset 6. Et ça continue. Et quel est le verset où il dit qu'il est revenu avec des raisins, il est revenu 23. Diable, tu es mieux. Non, ne pourquoi pas, on répond. Diacre, c'est en quel moment Caleb est revenu avec le raisin pour dire voici, c'est très beau, ça va être bien, tout ça. Quel est le chapitre et le verset? Non. Ah, c'est pas l'autorité biné, non. Nous, on dit ce qu'on a envie de dire. Hein. Vous n'avez plus quand même le temps. Elle a dit ça tout à l'heure. Quel est le chapitre et le verset? Elle a répété ça tout à l'heure. Quel est le verset? Ou bien il n'y a pas de place de verset dans nos têtes.
Il y a place. Mais moi, je préparais plutôt la conduite. L'élément essentiel de Nord nous intéresse. C'est-à-dire, Caleb est venu. Il est revenu, hein. Il est revenu. Elle est venue par ça. Et ça m'a touché, ça m'a quand même marqué. Parce qu'il est venu montrer aux gens qu'effectivement, le territoire était bon. Que Dieu les a pas envoyés comme ça là-bas. Mais c'est vrai qu'ils avaient constaté l'obstacle, qui était des géants et tout ça. Mais le territoire était bon. Voici les raisins, voici ce qui est bon. Il dit le pays que vous allez visiter, c'est un pays qui est bon. Où coule le lait et le miel. C'est trop bon, hein? Oui. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Maintenant, quelle est la référence? C'est la référence qu'elle avait donnée tout à l'heure. On acclame le Seigneur pour le diable. Il n'a pas. Très loin, il dit, c'est ce qu'il vient de dire là. Donc, on ne sait pas. Qu'est-ce que tu viens de dire? Donne-nous la réponse. Dans notre chapitre 23. Je vais revenir là-dessus pendant le culte. Hein. N'oubliez pas, je reviendrai là-dessus pendant le culte parce que c'est les points que vous êtes en train de truc. Vous pouvez mettre des points comme heureusement que Marina vient de faire l'honneur à la famille. Ça, c'est déjà très bon. Et sinon, si vous perdez ce point-là, ce n'est pas bon. On y va? Dans Nombre 13, chapitre 23. Il y a eu l'exploration de Canaan. Et Caleb a ramené les meilleurs fruits du pays. Donc, il est venu avec des grappes de raisin, des grenades et des figues. Nombre 13, chapitre 23. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pour montrer que c'est bon, facile. Amen. Donc, c'est un verset que vous devez retenir. Nombre 13. Verset 23. Non. Christian, non. Très bien. Ok, qu'est-ce qu'on peut retenir de Caleb? Caleb, avec son autorité, s'est affirmé tout de suite en disant dans Nombre 13, chapitre 30, allons-y, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Parce que les autres, ils avaient peur. Et comme ils avaient peur, lui, il n'a jamais eu peur parce qu'il avait confiance en Dieu. Mais qu'est-ce qui a effrayé les gens? Qu'est-ce qu'ils ont eu comme rapport? Ce qui les a effrayés, c'est qu'ils ont trouvé les enfants d'Anak, qui étaient des géants. Très bien. Et eux, ils étaient pareils à des sauterelles face à ces enfants d'Anak. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, finalement, Caleb a toujours été comme un héros pour cette histoire parce qu'il a pu conquérir aussi. Finalement, il a eu comme héritage une ville qui s'appelle Hébron, la ville d'Hébron. Et là, c'est dans 14, chapitre 14. Comment on appelle ça? Non, 14. Oui, chapitre 14. Donc là où il a pu avoir pour héritage, comme Moïse, Dieu avait promis à Moïse de donner à Caleb cette ville comme héritage. La promesse de Dieu s'est tenue et il a donné Hébron comme héritage. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Très bien. Donc, 14 chapitres. Oui, donc qu'est-ce qu'on retient de Caleb? Quelqu'un de... Donc, Caleb, c'est quelqu'un d'autoritaire, d'audacieux. C'est quelqu'un aussi qui est bouillonnant et qui a une confiance, une foi déterminante, une confiance totale en l'Éternel. Et aussi quelqu'un d'obéissant. Parce que pendant que les autres doutaient, lui, il a toujours obéi jusqu'à la fin. Donc, un bon disciple. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Un bon calage, audacieux. Un homme de foi, croyez aux promesses de Dieu. Voilà, donc soyons comme Caleb, homme de foi, n'est-ce pas? Que Dieu bénisse. Veuillez vous asseoir, la famille. Caleb, veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Vous avez quelque chose à nous dire? Quels sont ceux qui ont des témoignages? Quels sont ceux qui ont des témoignages? Mon nom, là, c'est qui? Ok, vous venez. Qui d'autre? Le témoignage? Oui, venez. Ceux qui ont des témoignages rapidement, venez rapidement. Dépêchez-vous. Sylvie, voici la fille de Suisse là.
peux être surpris. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Parce que Jésus a fait pour toi. Bonjour, frère et soeur en Christ. Vous vous présentez? Je m'appelle Madame Bala et je suis de religion musulmane. Donc, je suis la seule dans ma famille à avoir accepté Jésus et donné ma vie à Jésus. Amen. Donc, ça fait depuis des années que je suis les vidéos des papas par YouTube. Et j'ai un boulot qui me permet de suivre les vidéos des papas. Et quand j'arrive au travail le matin, la première des choses que je fais, c'est me connecter et suivre les vidéos des papas. Je connais presque toutes les vidéos par cœur. Mon mari et moi, on était beaucoup persécutés. Et un jour comme ça, j'ai pris ma Bible et j'ai commencé à lire la Bible. Et je veux aussi vous dire que j'ai des oncles qui sont presque des imams. Et je suis la seule à accepter Jésus. Amen. Et Dieu m'a fait vraiment grâce. Et quand papa était venu ici pour la première fois, pour la veiller, mon mari et moi, on était présents à deux reprises. Et quand il est venu ici encore, on n'a jamais manqué une veillée. Et j'ai toujours prié que papa ouvre l'église ici, à Paris. Et Dieu a exaucé mes prières. Et je vous demande que papa et que papa de Soal, qui sont toujours parmi nous. Et j'ai été persécutée dernièrement très fort parce que j'ai lu beaucoup la Bible. Et que quand on est combattu, je lisais le psaume pour voir un peu comment c'est et tout et tout. Et à chaque fois qu'on vient ici, qu'on suit les enseignements des papas, et quand ils parlent des aurores, je me mets le matin à 5h du matin à genoux pour prier. L'aurore, c'est 4h. Oui, 4h. Mais moi, je me lève à 5h, je me mets à genoux, je prie. Et par là, j'ai été persécutée. Vers le mois d'août, j'ai eu une phlébite au pied. Donc, c'est des caillots de sang qui se forment, qui peuvent remonter jusqu'au cœur. Et j'ai repris le boulot le 27 août. Le vendredi 31, je mets les pieds par terre, je n'arrive plus à marcher. Et mon fils arrive, il m'amène aux urgences. Arrivé là-bas, le médecin m'a dit, il faut qu'on vous garde. Et quand mon mari est venu, il en a parlé à maman de Sora. Maman de Sora a dit de prendre une onction. Et il m'a apporté à l'hôpital. Je m'étais dans mes repas et tout. Et un jour, on me faisait des injections dans les deux cuisses, matin et soir. Et le week-end, il y a un infirmier qui est venu et il m'a fait l'injection et sans anesthésie, bon, sans désinfecter l'endroit. Et j'avais aussi la perfusion tout le temps et ça me faisait mal. Et quand je l'ai appelé pour la perfusion, il est venu, il a arraché sa force. Et j'ai commencé à avoir mal. Donc j'ai commencé à invoquer le nom de Jésus. Il était dans la chambre, il était dans la pièce. Et je disais, quel que soit ton envoyeur, j'ai des programmes, tout ça, au nom puissant de Jésus-Christ. Et j'ai commencé à évoquer le nom de Jésus. Donc, de là où il était, il entendait. Et il est venu pour commencer à me demander pardon. Le médecin, le médecin lui-même. Il s'est mis à genoux, il a commencé à me demander pardon et tout. Donc, c'est pour vous dire, frères et sœurs, quel que soit votre problème, quelle que soit votre situation, que le nom de Jésus soit toujours présent dans vos bouches. Moi, j'ai expérimenté l'expérience parmi toute ma famille. Comme je vous dis, je suis la seule à venir à l'église, à donner ma vie à Jésus. Et depuis qu'on a connu papa, en tout cas, mon mari et moi, on est tout le temps là à l'église. Et j'amène mes enfants aussi au Seigneur. Après, quand j'ai appelé maman Bessoré et tout, et quand papa était là pour l'église. Oui, là-bas, maintenant, ça va beaucoup mieux. J'ai toujours des traitements. Et le collant que je porte, je suis obligée de les avoir pour fluidifier le sang et tout. Et c'est pour vous dire, quand vous donnez votre vie à Jésus, comment vous êtes persécuté, mais ayez foi en Dieu. Amen. Et depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai vu beaucoup de changements dans ma vie. Je me lève le matin, je lis ma Bible, je vais au travail, j'amène ma Bible avec moi. Donc, comme papa dit, éditez la parole et mettez-la en pratique, c'est très important. Amen. Et quel que soit ce qui vous arrive, ne vous découragez pas, ayez le Seigneur dans vos vies. Amen.
Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Et quand nous prions, mettons papa et sa femme dans nos prières. Amen. Que Dieu leur donne une bonne santé, à lui et à sa famille. Amen. Et que Dieu leur donne une bonne vie. Et on est en de tout le monde qui est toujours à nous défendre et qui a toujours la patience envers nous. Et c'est très, très important que Dieu la glorifie. Elle est là. Elle me soutient depuis nuit des jours.
depuis le 14 juillet, puisque le prophète Crasson lui a dit, tu dois t'occuper de cette sœur. Ouais. Et le 16 septembre, il y a presque un mois, je débarque à Paris à 7h du matin, après 15 heures de car, épuisée. Je prends un taxi. Et aujourd'hui, le chauffeur de taxi est là avec moi. Non, on doit être très patient, voilà, mais on doit régulariser toute une situation. Donc je suis une Française en Suisse qui doit revenir mettre sa situation en ordre en France. Ce qui est important, ce que je veux dire par là, ne doutez jamais de Dieu. J'en ai tellement seule dans toute cette vallée de l'ombre, de la mort. J'ai vraiment eu des moments très difficiles. J'ai beaucoup parlé au prophète Crasso. Il m'a dit, toi t'es bizarre, tu parles... Comment tu m'as dit? Il m'a dit, j'aime bien parler avec toi parce que tu dis tout et voilà, j'ai pas peur parce que on peut rien. Elle est sans réserve. Voilà, on doit être franc, naturel. Je peux avoir des problèmes avec les autorités françaises ou suisses parce que ma situation est très complexe, mais en parlant de Dieu, même à des policiers et autres, ça leur donne un témoignage. Amen. Ce que je veux juste finir de dire, c'est que quand je suis arrivée il y a 8 jours chez Léon, sa fille est très malade. Elle a de l'eczéma de la tête aux pieds. Il est où, le monsieur? Il est là. On peut l'appeler? Venez, monsieur. Je suis arrivée dans cette famille. J'étais regardée bizarrement par les enfants parce qu'ils ont 28, 30 ans. Mais... Laissez-moi. Juste pour dire, j'ai utilisé l'huile. Non, je viens avec le témoignage. Voilà, d'accord. Et comme ça, vous voulez l'épouser. Laissez-moi l'épouser déjà. Merci.
Mais non, c'est moi l'épouse. C'est moi l'épouse déjà. D'accord, mais c'est pas comme ça que se passe. D'abord, le père, c'est moi. Le père, c'est moi. Vous avez besoin de ma caution, quand même. Il me semblerait, oui. Parce que là, vous ne m'avez pas consulté, vous prenez ma fille. Mais quand elle est belle, ben je la prends. Mais quelles sont les assurances, quelles garanties? Mais tout est garanti. Sauf que officiellement. D'accord. Ouais. Mais vous êtes déterminé à l'épouser. Ouais. Ça va, Sophie? Ça fait drôle. Ça fait drôle parce que quand on est abandonné par une personne et qu'on est jeté en psychiatrie, je vous assure, c'est quelque chose que je ne pourrais jamais oublier de ma vie. Jamais. Je remercie beaucoup Sylvie. Elle m'a toujours dit, crois, seulement tu crois. Crois. Elle a un puissant témoignage. C'est vrai que j'ai dû stopper. Mais quand elle vous voit, elle a tout dit à la fois. Et elle me disait qu'elle a connu l'année de déception en déception toute sa vie. Elle a connu que des déceptions. Et quand elle a commencé à parler avec moi, j'ai vu que c'était une personne à suivre et aider. Et donc, comme je n'avais pas trop de temps, quand elle venait sur la Suisse, il fallait la confier à Sylvie. Et merci Sylvie de ton aide que tu as apportée à cette sœur. Hein, que Dieu te bénisse pour ça. Voici ce que le ministère essaie de faire, le ministère de la compassion des enfants. Écoutez, ce que je voulais dire, c'est que sa fille, qui est couverte d'eczéma des pieds à la tête depuis le mois de juillet. Votre fille, elle est malade. 30 ans, elle est malade. Elle est malade. Elle est malade. Elle est malade. Vous avez quel danger? Des pans Kinshasa. Et ma fille est malade avec eczéma, elle aiguë. Vous savez qu'il a la peau aujourd'hui comme un crocodile. Et depuis que Sophie est là, ça fait 8 jours, ça fait 9 jours. Et elle s'occupe d'elle, ça fait 3 jours, ça commence à venir. Donc elle parle avec elle, comme c'était sa maman, alors que sa maman, comme elle, elle s'embrouillait tout le temps. Et qu'est-ce que vous avez constaté? Quel est le miracle que Dieu a apporté dans la vie de sa fille? Mais déjà, elle marche de nouveau. Elle marche bien. Elle mange quelque chose qu'elle ne faisait pas avant. Elle prie avec moi. Qu'est-ce qu'elle ne faisait pas avant? Elle priait pas. Elle priait pas. Elle parlait pas, elle mangeait à sa chambre. Elle parlait à personne. Elle parlait à personne. Et depuis que Sophie est là, elle se parle et rigole. Et ça va. Et ça commence à aller mieux. Mais jamais le retour avec moi. Je la sors avec moi. C'était déjà presque la dépression. Mais avec Sophie, franchement, ça va bien. Et je dois faire des voyages réguliers avec Suisse-France. Et même pour moi, je suis partagée en deux. Comme vous qui avez peut-être certains. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? J'aimerais la présenter aussi, voir si possible, aller prier pour elle. Voilà, donc que Dieu vous bénisse et que tout à l'heure nous aurons un entretien, d'accord? Voilà, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Yeah.
coup, ça va le baladeur. Quand le micro ne tombe pas, ça déconcentre. Nous allons prier le Seigneur. Nous voulons te prier, Seigneur notre Dieu. Merci de nous bénir et de bénir ta parole. Merci de nous faire la grâce et de nous ouvrir les yeux, nous comprendre le monde spirituel. Merci. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. On dit amen. Amen. On se salue, que Dieu bénisse. Veuillez vous asseoir. Le groupe, la famille Abraham, pouvez-vous tenir debout? Connaître la famille Abraham. La famille a... Il y a un souci avec le micro là. La famille Abraham, ça vous va? Abraham, soyez béni. C'est votre semaine, la semaine, la chance, c'est votre semaine. Nous apprenons beaucoup de choses, de bonnes choses de vous. Amen. Amen. Voilà, donc que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Il n'y a pas de manipulation, vous. Ah. C'est où ça? Il y en a combien? Ah non? Madame Guédé, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous voyez, on a un problème de micro, hein. Celui qui peut nous sauver, que Dieu le bénisse. Amen. Amen. Aidez-nous par rapport à ça. Ça nous fatigue trop. Hein, quel est le cadeau? Oh, fleur. C'est fleur seulement. Il a fait fleur. C'est fleur. Hein? Tu vas pas danser un peu? Non, c'est pas. Ben, tu vas danser tout de suite à l'honneur de ta femme. Amen. Ah, ta femme? Ouais, le mérite. Aïe! Come on, buddy.
verser les grâces sur ta vie. Aussi que ton mari, que Dieu te bénisse. Beaucoup de grâces sur votre maison. Soyez davantage bénis. Et merci à la présidente de Toile pour l'initiative. C'est un plus, c'est bon. Ça nous permet de voir un peu savoir ceux qui ont l'anniversaire en semaine et tout ça. Que Dieu te bénisse pour ça. Nous avons aussi besoin de pas mal d'idées pour faire avancer notre Dieu. C'est une famille. Prochainement, il faut nous avertir. J'ai été vraiment surpris. Amen. Amen. Et tout à l'heure, le Père fera son cadeau, d'accord? Que Dieu te bénisse. J'ai une fille bien gentille, fidèle, loyale, que Dieu te bénisse. Tu m'appelles constamment comme la présidente de Fab. Les paroles qui réconfortent, qui nous amènent à aller de l'avant. Ça fait du bien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dis à quelqu'un, Dieu te bénisse. Dis à quelqu'un. Dieu te bénisse. Dis à quelqu'un que Dieu te bénisse. Dis à quelqu'un. Dis à ton voisin, sois béni. Dis à ton voisin que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Je ne vais pas vous saluer vos voisins. N'ayez pas peur. Il ne faut pas avoir peur de saluer ton voisin. Celui qui bénit Israël est béni. Amen. Sois béni, papa. Bénis ton voisin. Amen. Ce matin, ce soir, il y aura une pluie de miracles. Il y aura une pluie de miracles. Il y aura une pluie de délivrance. Je vous promets, vous guérir, vous délivrer. Amen. Amen. Donc, dis à ton voisin que Dieu te bénisse. Sophie, ça va? Tu es heureuse? Ça fait du bien, hein? Tu as quelqu'un qui veut te bénisse? Encore dire à ton voisin que Dieu te bénisse. Qui est content d'être là en présence de Dieu? Amen. Qui est vraiment content d'être dans la présence de Dieu? Amen. Alléluia. La Bible dit, je suis content lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. C'est là que se trouve notre joie, c'est là que se trouve notre paix. La présence de Dieu nous fait du bien. Ça va? Viens ici. Tu n'as pas rendu ton témoignage. Le dimanche passé, c'était chaud là. Ouais, c'était très chaud. Hein? Ouais. Mais tu n'as pas rendu de témoignage. Oui, mais. Tu n'as encore rien vu? Ouais. Le démon n'est pas parti. Je sens que je suis bien. Mais laisse regarder la caméra. Là, c'est ce qu'on veut entendre. Quand je me lève maintenant le matin, je suis très bien. Et là, j'ai envie d'attaquer en fait. En fait, pas les gens. En fait, je veux dire que bon, avant j'étais à la maison, j'étais genre comme si je me lève pour aller faire quelque chose, je suis comme on m'a cloué quoi, je suis bloqué. Soit je dors, soit je suis fatigué. Mais maintenant, et puis en plus j'avais mal aux reins. J'avais mal aux reins. Ouais. J'avais des douleurs aux reins. Et puis quand je gagne de l'argent comme ça, souvent j'ai de l'argent qui vient comme ça. Et puis un coup, je ne sais pas où c'est passé. C'est-à-dire j'ai dépensé. Tu dois t'asseoir et tu t'assois là. Et je dépense. Mais là, à rien, c'était moi depuis que je suis venu là. On va saluer la présence de Sou, même si c'est cash. C'est un journaliste, il n'y a rien. C'est un ministre qui est de Dieu. Sou, c'est un Félix, que Dieu te bénisse. Voilà, Sou, c'est un Félix, sois béni. Donc là, je me réveille le matin, franchement, je sens que mon cœur il est libre, parce qu'avant j'avais des battements de cœur et je m'énervais. Mais maintenant, je suis posé, je suis à la maison. Et quand je me lève le matin, bon, le mal de rein, franchement, je ne sens rien maintenant. Ça va? Ouais, je me sens bien, parce que j'avais mal ici. Et mon rein, tout ça, je sentais des douleurs là. Et j'ai mon cœur qui partait très, très, très fort. Mais là, maintenant, je commence à être posé. Et puis quand je lui donne la nuit. Elie la famille, ma gâteau patago, le voyao. Et mon souillon, ma gâteau patago, le voyao. Le voyao, le voyao,
La semaine dernière. Amen. Amen. Je tenais à saluer aussi encore la famille Caleb. Merci pour la décoration de la salle. Elle est pleine de révélations. Amen. Voilà, beaucoup de révélations. Je pense que Abraham verra encore mieux. Alléluia. Amen. Voilà, merci, que Dieu vous bénisse. Quelles sont les personnes qui sont là pour la première fois? Toute première fois, tenez-vous debout. Authentique international de Paris, c'est une église pentecôtiste, évangélique bien sûr, mais pentecôtiste. Nous accueillons dans la grâce du Seigneur, dans la bénédiction de Dieu, que Dieu vous bénisse. Pour les nouvelles personnes, pour ceux qui aimeraient intégrer cette église, vous ferez signe tout à l'heure, vous allez, n'est-ce pas, dans la famille, on va vous mettre dans la famille Caleb. Quels sont ceux, bon après le culte, on va vous recevoir, échanger avec vous, on aura l'occasion d'échanger avec vous, si possible, vous suivez après. Amen. Afin de pouvoir vous aider dans votre marche chrétienne. Que Dieu vous fortifie, que Dieu vous bénisse. Donc après le culte, vous allez rester et avoir des échanges avec le prophète et la famille Caleb. Soyez bénis dans le nom du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. Matthieu, le chapitre 26. Le verset 36. Au verset 38. Alléluia. Jusqu'au verset, je pense que jusqu'au verset, le verset 41. Voilà, jusqu'au verset 41. Quels sont ceux qui ont des Bibles?
Merci, lève comme ça la Bible. Ceux qui n'ont pas la Bible, c'est pas grave, mais pour un culte quand même, il faudrait avoir une Bible quand même. Amen. Amen. Voilà. Donc ouvrez maintenant les Bibles, c'est l'occasion pour vous d'ouvrir les Bibles. Matthieu le chapitre 26 à partir du verset 36 jusqu'au verset 41. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu chapitre 26 à partir du verset 36 jusqu'à 41. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais intituler mon message Gethsémané. Je l'avais déjà introduit le dimanche prochain et passé. Nous allons terminer, n'est-ce pas, l'enseignement le dimanche prochain. Ça va nous amener à comprendre beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui me posaient la question, qu'est-ce que Gethsémané? Parce que beaucoup découvraient, ou d'autres sont nouveaux la parole de Dieu. D'autres maintenant comprenaient beaucoup de choses. D'abord, la définition de Gethsémané. Gethsémané veut dire pressoir. Gethsémané veut dire pressoir. C'est un territoire, un endroit où Jésus avait l'habitude d'aller prier. Et je crois, géographiquement parlant, Gethsémané était situé près de la montagne des Oliviers, donc dans la vallée. Vous comprenez? Dans la vallée. Donc, le territoire Gethsémané, on dit le nom signifie pressoir. Les gens prenaient les oliviers et venaient les presser dans le Gethsémané. Et c'était dans cet endroit-là que Jésus avait l'habitude de prier. Et cette fois-ci, Jésus va prendre dans ce passage des éléments sur lesquels il comptait. Parce qu'à un moment donné de sa vie, on a vu Pierre qui a fait une déclaration très forte. Il va dire à Jésus, le jour où tu arrêtes, le jour où tu auras des difficultés, tu peux compter sur moi. N'est-ce pas? Amen. Tu peux compter sur moi le jour où tu auras des difficultés. Je ne te lâcherai point dans les difficultés, je serai avec toi. Et d'ailleurs, voici mon épée. Celui qui te touche aura problème avec moi. Amen. Amen. Alléluia. Donc, Amen. Jésus se disait, mais voici celui-ci qui je peux compter. Alors, Jésus, c'était au dernier jour de sa vie. Mais le dernier jour, il va sélectionner effectivement Pierre. Il va prendre deux filles des Zébédée qui vont aller avec lui dans ce jardin. Et cette fois-ci, on dit, Jésus va éprouver quoi? La peur. Et la tristesse. Pourquoi? Parce qu'il était au dernier jour de sa vie où il devait vivre beaucoup de difficultés. Amen. Comme il devait traverser ces difficultés, il avait besoin des gens pour le soutenir. Et donc, pour lui, il s'est dit, Pierre peut l'aider. Les deux filles des Zébédée peuvent l'aider. Donc, allons-y à Gethsémané. Vous pouvez dire, Gethsémané, ce n'est pas une chose facile. Frère, d'abord même la situation géographique de Gethsémané, le nom est beaucoup révélateur. Vous savez, si Dieu veut vous positionner à un sommet, on parle de Gethsémané qui est d'abord dans la vallée, comprenez, près de la montagne des Oliviers. Montagne qui symbolise la présence de Dieu, la hauteur, qui symbolise la gloire et la puissance de Dieu. Vous voyez la vallée. Si vous voulez, n'est-ce pas, accéder à la montagne, montagne qui vient d'une position élevée, montagne qui vient d'une position bénie, vous allez forcément traverser la vallée. Et si vous ne passez pas par la vallée, vous n'allez pas accéder à la montagne. Or, si vous voyez une personne d'aujourd'hui qui vit une vie de gloire, c'est qu'elle a traversé la vallée. C'est pour ça qu'à un moment donné de la vie de David, vous constatez que ce monsieur, dans le livre de Psaume 23, le monsieur fait une déclaration très forte, vous dit, même quand je traverse la sombre vallée de la mort, je voyais la soeur, il est en train de dire ça, j'étais en train de traverser. La vallée n'est pas une chose facile. Dans la vallée, on peut se trouver tout sorte de serpents venimeux dans la vallée. Dans la vallée, il y a toutes sortes d'obstacles.
Et dans la vallée, ce n'est pas tout le monde qui peut t'aider. Donc Jésus part, il est dans Gethsémané parce qu'il doit connaître une gloire. Il faut qu'il passe par là. Il y a des situations que tu ne peux pas changer, bien-aimé. Il y a des situations que tu ne pourras pas changer parce que Dieu t'impose ça. Vous voyez, à Gethsémané, Jésus part, il prie et Dieu, il voyait la souffrance. Regardez ce que Jésus va éprouver. Il réalise que les gens avec lesquels il était vont le trahir dans les heures qui vont suivre. Et encore, le vent. Je me suis posé la question. Pourquoi Jésus a laissé Judas tout le temps? Il faut que la parole de Dieu s'accomplisse. Dis amen. Amen. Et j'ai constaté que Jésus, dans le choix de ses disciples, il a même choisi ce qu'on appelle un fils des démons. Il savait. Il y a des choses que vous ne pouvez pas éviter qui font partie de votre vie. Et donc, j'ai dit, mais le monsieur, il marche avec Jésus. Et comment il voyait Jésus, Judas? Je me mets dans la peau, je dis, mais comment? Lâche-la. Elle a un esprit. Lâche-la. Tu vas la laisser. C'est ce qu'on appelle l'onction, vous voyez. C'est une femme qui est perturbée. Elle a des esprits. Tout est près d'elle, monsieur. Non. Lâche-la. Non. Pourquoi? Pourquoi? Je vais mourir. Tu vas mourir? Et pourquoi? Non. Tu vas la lâcher? Non. Tu vas la lâcher? Non, qui es-tu? Non. Qui es-tu? Mon cœur. Ton cœur a fait quoi? Ça me brûle. Qui es-tu? Je ne sais pas. Tu fais quoi dans sa vie? Je ne sais pas. Et si c'est un ministère de délivrance, ne soyez pas surpris parce que ça se passe. Dis amen. Amen. Dis à quelqu'un, c'est comme ça se passe ici. C'est comme ça. C'est comme ça ici. Hein? Ne soyez pas effrayés. Amen. Quand il y a un démon, on le chasse. D'accord? C'est comme ça ici. Lâche-la. Tu viens d'où et tu fais quoi dans sa vie? Tu viens d'où et tu fais quoi dans sa vie? Mon cœur, ça me fait mal. Tu vas la laisser? C'est toi qui fais qu'elle n'arrive pas à se marier. C'est ça? C'est ça? Hi. C'est ça? Oh. Hmm? C'est toi qui fais qu'elle n'arrive pas à se marier. Tu vas la lâcher. La puissance de Jésus. La puissance de Dieu. Vous savez, quand vous avez une onction spéciale, quand un démon est là, il se manifeste. Tu vas la libérer. Tu vas la libérer.
lâche-la ce matin. Tu vas la libérer dans le nom de Jésus. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Quitte sa vie, au nom de Jésus. Lâche sa vie, lâche sa vie, lâche sa vie, lâche sa vie. C'est toi qui fais qu'elle n'aime pas les hommes, c'est toi qui veux, tu l'as épousée, c'est ça? Tu ne fais qu'elle, tu fais qu'elle n'aime pas les hommes, elle ne peut pas se marier. Quitte son cœur et quitte sa vie. Quitte son cœur et quitte sa vie. Quitte sa vie. Quitte sa vie. J'ai perdu. Allez, va-t'en! J'ai perdu toi. Voilà, donc sors. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Allez, quitte sa vie. 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 Quitte son mariage. Allez, quitte son cœur. Quitte son cœur. La dame, elle n'a jamais aimé depuis qu'elle est née. Elle n'a jamais aimé homme. C'est-à-dire, quand on parle d'amour, elle n'a jamais. Elle n'a jamais expérimenté l'amour. Elle n'a jamais aimé homme. Son cœur, c'est l'esprit qui nous fait. Il faut partir alors. J'ai perdu toi. Si tu as peur, il faut partir. J'ai perdu lui. Partir. Non. Très bon. Tu vas quitter sa vie. Thank you.
cœur, vite. Va partir et libérer sa vie. Lâche-la. Attends. Lâche-la. Quitte sa vie au nom de Jésus. Voilà, sort. Quitte sa vie. Pareil. Libère la mort de Jésus. Libère-la. Au nom de Jésus. Tu vas quitter sa vie. Tu vas quitter sa vie. Tu vas la libérer de ta vie. Elle ne sera plus ton époux. Elle ne règnera plus sur cette vie. Dans le nom de Jésus. Je l'entends. Lâche-la. Lâche-la. La prison de se marier. La prison de connaître la joie. La prison de connaître la paix. D'accord, dans le nom de Jésus. Sors. Lâche-la. Allez, lâche-la. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libère-la. Par la puissance. Ça va? Dis à quelqu'un que Dieu te bénisse. Dis à quelqu'un que Dieu te bénisse. Amen. Ça va? Amen. Ils sont maintenus. C'est l'église Pentecôte. Chassez les démons aujourd'hui.
Thank you.
Lâche-toi.
Dans le nom de Jésus, tu vas la libérer. C'est un nom. Jette ça après. Va jeter. Thank you.
touche là. Feu. Allez, feu. Feu. Allez. Maman. Feu. 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 Allez. Maman. Lâche-la, lâche-la, au nom de Jésus. Feu! Hey! Libère-la, au nom de Jésus. Tu dois la libérer, la punition. Viens dans le nom de Jésus. Lâche-la, lâche-la! Allez, hey, lâche-la. Le feu consume tes ailes. Le feu consume tes ailes. La puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Jésus, la
la puissance est au nom de la Thank you.
le nom de Jésus. Tu vas la libérer. Tu vas la libérer. Thank you.
ensemble. Il s'appelle comment? Thank you.
Avec l'enseignement, pour vous dire, à un moment donné de votre vie, vous allez traverser les moments les plus difficiles de votre vie. Vous allez traverser les moments les plus douloureux de votre vie. C'est ce qu'on appelle l'homme de la vallée de la mort. Donc, Jesmané, quand vous comprenez Jesmané, le mot veut dire presse-toi, n'est-ce pas? Un endroit où Dieu va te presser, un endroit où Dieu t'amènera pour comprendre que connaître le vrai visage de ceux qui sont avec toi. À un moment donné, les gens vont te livrer. Et tu connaîtras ce qu'on appelle la haute trahison, tu connaîtras l'abandon, tu connaîtras beaucoup de choses. C'est en ce moment-là que tu rapprocheras plus de Dieu. Donc, Gethsémané, c'est un endroit obligatoire, c'est un passage obligatoire. Pour accéder, n'est-ce pas, à un trône, pour accéder, n'est-ce pas, à une position élevée, tu vas connaître l'humiliation la plus totale, tu connaîtras pas mal de choses. Parce qu'il faut la vallée, il faut cette vallée-là pour accéder, n'est-ce pas, au trône. À la montagne. On a vu que Jésus-Christ était livré à l'ignominie, la plus grande des rondes, un spectacle, livré un spectacle. Mais à un moment donné, il avait l'impression que Dieu l'avait abandonné. On avait l'impression, parce que c'est comme ça, il fallait passer par là. Et donc quand tu traverses la vallée de la mort, quand tu traverses Gethsémané, où tu as l'impression qu'il fallait compter sur telle personne, celui avec qui tu te comptes peut même t'abandonner. Il comptait ses pieds et puis il abandonnait. C'est pour ça que la Bible dit, Jésus-Christ ne se fiait pas aux paroles des gens. Ne vous fiez pas aux paroles des gens. Mais par contre, tu connaîtras des vraies personnes qui sont toujours là. Malgré ta situation, elles seront toujours là pour te soutenir. Parce qu'elles croient en toi. C'est comme Jésus-Christ traversait les moments les plus douloureux. Les femmes croyaient en Jésus. Bien qu'il soit crucifié jusqu'au tombeau, les gens croyaient en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a été ressuscité. Parce que ça faisait partie de sa destinée. Amen. Amen. Voilà. Donc nous allons poursuivre encore Gethsémané et la semaine prochaine pour vous dire. Tout va bien. Dis à quelqu'un tout va bien. Tout va bien. Dis à quelqu'un tout va bien. Tout va bien. Mettez la main sur vos têtes. Je prie que la main puissante de Jésus-Christ se manifeste dans vos vies. Je prie que la gloire de Jésus-Christ se manifeste et que Dieu confonde vos ennemis
et que vos ennemis mordent la poussière, et que la gloire de Dieu se manifeste. Je veux condamner l'esprit de la sorcellerie. Je veux chasser toute forme de maladie dans vos vies dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Acclame Jésus. On s'assoit deux minutes. Deux minutes. Deux minutes, asseyez-vous. Pas te marier. Ah, je n'ai jamais. Edien n'a jamais aimé un homme. Elle n'a jamais aimé un homme. Quand quelqu'un dit t'aime, on sait tout. Ça te fait mal. C'est comme on t'a blessé. J'étais qu'à paracetamol. J'étais plus content toute la journée de gagner. Elle dit c'est comme si j'étais même cela. Elle est fâchée. Quand quelqu'un dit madame, vous êtes belle, je vous plaît. Ça t'énerve. Ça t'énerve. Tu voulais qu'il dise quoi? Hein, vous voulez être ami comme ça? Mais toi, tu ressembles à quelqu'un qui fait, tu dois faire ami comme ça. Hein? Vous voyez comment les esprits travaillent? L'esprit lui dit, elle ne peut pas se marier. Ça dit, mariage, là, c'est pas pour elle. Mais les amitiés où on doit s'amuser, voilà, c'est pour elle. Pourtant, c'est une belle femme. Oui. Tu as eu combien? Bon, je n'ai pas envie. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Tu as eu. Je n'ai pas envie de dire parce que c'est ta. Tu as eu plusieurs personnes, je suis parti comme ça des familles. Hein? Je suis une université, je suis à l'université pour. Je me disais que je suis contente de me marier avec mes études pour avoir mes diplômes. Hein? Pour après l'université, non, tu as un copain, tu as un copain seulement. Ouais. Mais mariage, tu n'es pas dedans. Non, c'est pas ça. Par exemple, être ami comme ça. Je n'ai jamais eu de copine pour la mariée. Tous mes amis, c'est les hommes. Mais dès que la personne dit qu'elle aime, on se lit. Tu fuis. Et donc, je fais des rêves avec un homme. Qui est dans ta vie? Donc elle avait un esprit Marie, Marie esprit dans sa vie. Avec dans le rêve, tu cuisines pour lui. Vous vivez comme monsieur et madame. Tu as des enfants? Tu n'as pas eu d'enfants? Non. Après, j'ai fait un mariage, j'ai fait 4 ans, je n'ai pas marié. Après, j'ai fait un mariage. Mais je me suis mariée parce que j'avais besoin d'être avec quelqu'un. Quelqu'un, oui. Donc, quand je me suis mariée, j'ai fait 12 ans, j'ai fait 4 grossesses, mais jusqu'à 4 mois. Tout quand il vient là. Tu as 12 ans. Combien de mariage? Je avec lui. Tu veux dire, le mariage, combien de 2 ans? 12 ans. Ouais. Donc, du coup, quand je tombe enceinte, il vient la même énergie. Et après, il dit ça. Moi, je te dis que je n'ai pas l'odeur de l'urine de l'enfant. Oh, après, l'esprit. Il vient me dire la nuit. L'esprit vient te dire la nuit qu'il n'aime pas l'odeur de l'urine d'enfant. D'enfant. Donc, je suis enceinte, moi, je n'ai pas l'urine de son enfant. Ah,
Maintenant, quand tu es enceinte, 5 mois après, 4 mois, ça tombe. Donc, à ce moment-là, j'ai expliqué à mes frères, à ma mère et ma mère, elle a fait des recherches, donc, puisque je suis mariée avec un diable. En plus, tu es mariée avec un diable. Ouais. Donc, depuis là, j'ai fait plus de 3 millions. Tu as dépensé plus de 3 millions. En train de chasser le diable. Il y en a des marabouts qui disent qu'il ne peut pas. Parce que elle a un marabout qui dit quoi? Il ne peut pas. Il ne peut pas. Parce que quand il commence le travail, le diable elle frappe. Il vient frapper le marabout. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Toi, tu es possédé et tu veux chasser un démon. Donc, quand le marabout fait médicament, le diable là, il vient et chicote marabout et son mouruba, il le frappe. Son mouruba, il tombe là-bas, il est couru. Et puis marabout a dit, madame, ton médicament là, c'est bon, je ne veux pas, faut partir. Hein? Il dit quoi? S'il y en a qui m'a dit qu'on arrête le traitement. Qu'on arrête le traitement parce que il ne veut pas. Fatigué. Tu es musulman? Et comment tu m'as connu? À travers YouTube. Comme ça? Oui, à travers YouTube. Ça fait combien de fois qu'on est venu se connaître, se voir physiquement? Hier, c'est. Et puis aujourd'hui? Tu es libéré. Amen! Hein? Vous cherchez quoi? De quoi? Hein? Non, Jésus, il ne peut pas te mettre dans la souffrance. Ce n'est pas maraboutage ici. J'ai affaire de Dieu. Tu as compris? C'est fini. Dimanche, tu viens pour venir témoigner. Comment tu vas voir? Tu ne vas plus le voir même. Si tu approches de toi, il va fuir. Elle dit ça me fera plaisir. C'est délivré ce que vous dites. Tu veux travailler? Tu veux travailler? Ah, tu trouveras le travail. D'ici deux semaines, tu vas trouver le le dimanche prochain. D'accord? Le dimanche qui arrive là, il faut venir et tu verras toi-même cette semaine comment tu vas expérimenter le haut du soulagement. Celui que je prie là, il est plus puissant que l'esprit qui était dans ta vie. C'est en son nom que j'ai chassé l'esprit. Et je te le confie. Je te confie ta vie. Je demande à Jésus que je prie. L'Église la peine à vie. Jésus, là, je te le confie ta vie. Je lui demande de sécuriser ta vie. Je lui demande, Jésus, si grand, puissant que tu es, montre à cette table de la même manière que tu m'as montré. Que c'est dans la Bible qui est la vérité. Mon Dieu. Amen. Amen.
Moi-même, c'est qu'elle me donne la cette nuit, que j'ai dit.